Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Guillaume. Vincent. Oui. Enchanté. Merci à tous les trois d'être venus. Laurent, Anthony, Guillaume. Moi, je m'appelle Vincent Antin. Je suis le directeur marketing de la division grand public de Huawei. On va parler de produits aujourd'hui et notamment du Huawei P8. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a poussé vraiment l'expérience design donc jusqu'aux boîtes. Je vous invite à les découvrir. Comme vous voyez, un téléphone très fin, avec vraiment une qualité de finition, une prise en main qui est incroyable, sur un écran de 5,2 pouces. La taille de l'écran par rapport à la taille du téléphone est importante, parce que comme on le voit, il n'y a quasiment pas de bord. Et on a vraiment une expérience très très premium. Le P8 est, on va dire, une vraie révélation. Je ne suis pas coutumier de ce type de produit. Je suis assez bluffé en fait. C'est léger, c'est ergonomique, la prise en main se fait plutôt bien. Je suis mélomane et le son est plus qu'impressionnant. Pour le côté gadget, je suis assez fan des options vidéo et photo. Et je dois dire que ouais, ça pique mes curiosités alors que je ne m'y attendais pas forcément. Ce que je retiens, c'est trois points. C'est le capteur photo qui est plutôt assez intéressant, notamment sur des prises de vue qui ne permettent pas d'autres appareils. La deuxième chose, c'est le mode réalisateur, qui là aussi est un point de vue intéressant en termes de communauté, là où on fait des partages entre amis. Pour le reste, c'est la prise en main assez rapide, puisque moi j'étais un peu sous Android, donc le temps de retrouver ses petits, ce qui va assez vite, et on est reparti comme si de rien n'était. Le P8 de Huawei m'a particulièrement impressionné par la capacité qu'à l'utilisateur de pouvoir le customiser à sa façon. Je trouve qu'il prend des photos absolument magnifiques. Je le trouve particulièrement joli, esthétique, avec une prise en main relativement facile. Le P8, un smartphone avec un design incroyable, tout en finesse, avec des beaux matériaux et des capacités photo qui vont être en normes, avec des modes qui vont être uniques sur le marché, un mode light painting ou un mode réalisateur qui va nous permettre de faire donc des vidéos avec plusieurs de nos amis. On voulait vraiment remercier Presse Citron parce que c'est très important pour nous de dialoguer justement avec nos utilisateurs, d'avoir des retours sur leurs besoins, sur ce qu'ils font avec leur smartphone, comment ils évoluent avec cet objet qui sert vraiment un petit peu à tout. C'est très très important pour nous côté produit pour comprendre nos utilisateurs et leur parler.